Hey, bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, nous allons tester, enfin, couleur, 100%, lien 10, ça va être une boucherie les amis, fraîchement 100% dans cette célébration, j'en ai droppé deux, et j'ai acheté le dernier avec les pièces rouges, vous savez que j'adore cette carte, hein, c'est ma carte préférée du jeu, ça va être incroyable. Alors je rappelle un peu les liens, bon ici on gagne juste de du debuff de def, mais on s'en fout un peu. Qui plus 2, ensuite ici attaque et def 15%, donc on va additionner tout ça. Boss, attaque et def 25% sans restriction, ça fait 40% attaque et def. Cruel, on le procra pas, donc on le laisse de côté. Transformation, attaque et def 10%, donc on est à 50% attaque et def, plus de la régène. 20%, donc 70, 50. Et 90, 50. 90% de boost d'attaque qui vont proc dès la première rotation, pourvu que couleur endurance soit à côté évidemment. C'est incroyable. Voilà, bon, je rappelle en plus que couleur a une partie support dans sa première forme. Voilà, ça va être une. Ça va être incroyable. Hein. On va tester également couleur endurance, hein, du coup, hein, les deux, hein, la rotation, qui est également lien 10, et qui je rappelle, n'est pas ZTUR encore. Et regardez bien ce que le personnage va faire sans être ZTUR. On a en plus vitesse époustouflante qui pourra proc éventuellement, qui rajoute un peu de def. Enfin bref, ça promet d'être très sympathique. Alors pour l'instant, dans cette vidéo, on va tester cette rotation en Super Battle, mais il y aura aussi une vidéo en Goku Rush, parce que vous savez très bien que couleur puissance stack l'attaque à l'infini, et donc j'ai envie de voir ce que ça donne une fois qu'il est maxé à la fin du combat. On va se retrouver avec des SP à 6 millions, je sens que ça va être très très drôle, mais voilà, on va pas faire tout dans la même vidéo, sinon ça serait un petit peu long. Donc, let's go, team lignée diabolique, hein. Donc il y a juste ces deux-là, hein. Les autres n'ont pas les liens maxés. Couleur, ami leader a quasiment les liens maxés, au moins il a boss, hein, donc ce sera très appréciable, mais je sais pas si je vais le transformer, je vais peut-être le laisser en rotation, on verra bien, c'est parti. Let's go. Sachant qu'on affronte du Saiyan tout le long. Hein, tout le long, il y a du Saiyan. Hein, donc bon. Ok, c'est le mien. C'est le mien. Donc on va continuer. C'est pas grave. On va continuer. Il va arriver quand même assez vite. Bon, je peux un peu vous commenter les valeurs d'ores et déjà. Mais évidemment, avec couleur d'urgence, ce sera encore mieux. Parce que là, on perd ambition de conquête. On perd combat acharné. C'est énorme. Mais malgré tout, hein, petit aperçu des stats comme ça. Hein, 162 000 hein, sur la première forme. Ça va, c'est pas trop. Hein. C'est plutôt, plutôt sympathique, vous en conviendrez. Bon, malgré tout, ici, bon, par contre, les autres, voilà, bon, ça va, couleur LR, pas trop mal quand même. 131k, c'est bien. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est déjà vraiment bien, mais bon, après, on affronte quand même des personnages super, donc ça peut faire très très mal. Je serais tenté d'y aller quand même direct, hein. On y va, advienne que pourra, j'ai envie de tenter, mais c'est vrai que on va peut-être prendre un peu cher quand même. En cas de spé mal placé, ça va piquer hein, quand même, hein, malgré tout. Mais j'ai envie de tenter, parce que bon, en auto-attaque, de toute façon, c'est zéro, hein, concrètement, bon, à part pour, enfin, pas pour lui, parce que bon. Voilà, mais pour couleur, puissance, 3 millions, et attendez, parce que c'est pas le maximum, hein, bien sûr. Avec couleur endurance, ce sera plus que ça encore, d'entrée de jeu, hein, je rappelle, hein, sans conditions particulières. Attends, on prend quand même 40 en auto, c'est dingue. Et là, ça vous montre encore l'importance, enfin tout du moins l'impact du fait d'avoir la classe opposée en SBR, mais c'est incroyable. Vous imaginez, j'ai 170 cadets, je prends encore 40k en auto. Ça serait un personnage extrême, je prendrais que dalle. Hein. C'est voilà, mais encore une fois, le fait d'avoir la classe opposée en mode difficile, c'est chaud de ouf. Enfin, tu prends vraiment beaucoup plus cher. Ah ouais, métal couleur, 153 000. Pas mal, pas mal, pas mal. Il est pas. Voilà, ses liens sont pas augmentés. Hein. C'est. Enfin, je crois si peut-être un petit peu vite fait, ouais, 2-2. Enfin, bref, ça change rien. Ah ouais, quand même. Bon, il y a les supports de couleur, mais quand même, c'est. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, il y a Goten. On va essayer de sécher Goten. Hein. Enfin, bon, on va le sécher, on va le sécher. On va sécher Goten. Comme ça, on est à peu près tranquille. Et on en entend plus parler de Goten. Bonne journée Goten. Allez, partez en spé si vous voulez, là, allez, faites-vous plaisir. Partir en spé sur Golden Tech, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Hein. C'est open bar chez Golden Tech. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Metal Couleur, 2 millions alors que il a même pas stacké. Mais Metal Couleur, ouais, ça donne envie de le maxer hein, quand même. Hein. Waouh, ça doit être un délire Metal Couleur quand même. Hein. Une fois maxé, hein. Ouais, je crois que... De toute façon, à terme, j'ai envie de maxer la team, hein, donc je le ferai, mais... Ah, ça doit être quelque chose, hein. Bon, double debuff, ça, c'est appréciable.
On dit merci, ça fait plaisir. Donc du coup, bon, la Trunks qui fera plus grand chose, hein, ça va être vraiment vite fait. Alors, la rotation en question. Sachant que là, il n'y a qu'un seul adversaire, du coup, on a la partie support couleur à 30%, pas à 50%. Donc on verra tout à l'heure qu'il y aura de nouveau plus de deux adversaires. Mais voilà. Bonjour. Couleur, endurance, 143 000. Voilà, il n'est pas ZTUR. Hein, je rappelle, il n'est pas ZTUR, il est... Non, bah non. 154 pour couleur première forme. Hein, on va peut-être le transformer d'ailleurs pour aller checker la stat tout de suite. Mais voilà, bon, couleur d'ailleurs, regardez, on peut proc vitesse époustouflante, boum. Et on récupère encore de la def, 148K. Et donc on peut avoir mieux avec le support de couleur plus élevé. Mais dans tous les cas, c'est déjà très très impressionnant. On va le transformer, comme ça on va pouvoir commenter les valeurs également. Let's go! Évidemment, couleur endurance va perdre des stats. Mais ça va rester vraiment bien globalement pour un personnage aussi vieux, parce qu'il a. Il a 3 ans et demi, je sais plus. Ouais, un truc comme ça, enfin je sais plus, bref, ouais, il est ultra ancien, hein, c'est un néo-god. Et même aujourd'hui, 130 KDF, bah c'est bien en vrai, hein, c'est bien. Et bon, du coup, couleur puissance, 187 KDF. Voilà. Sans restriction aucune, voilà, c'est cadeau, hein, c'est cadeau. C'est comme ça, c'est cadeau. Voilà, bon, après, si Trunks nous met une SP, je vous cache pas qu'on va prendre quand même cher, hein, parce que, bon, encore une fois, hein, classe et type, ça picote. Mais, on va pas mourir pour autant, et derrière, on va le punir très, très, très sévèrement, donc il n'y a pas vraiment de problème. Bon là en auto c'est zéro, faut pas déconner. 3 900 000 les amis, premier tour de la transformation. On est déjà à 4 millions. Mais imaginez en Goku Rush ça va être combien? Mais imaginez, on va taper combien en Goku Rush à la fin? On va taper à 7 millions. Et couleur endurance 2 millions sans la partie support couleur. Donc on va le revoir après avec la partie support. Mais regardez-moi ça, c'est un délire. Imaginez qu'en couleur va être ZTUR, mais ça va être... Allez, deuxième combat, donc là évidemment faut qu'on laisse en vie notre ami Gohan. Bon, il y a du Piccolo là à la fin. On n'est pas trop mal en soi. On n'est pas trop mal pourvu que Krilin pète pas trop un cap quoi. Mais sinon on n'est pas trop mal, qu'on arrive à le buter, tu me diras. Hein, sur le papier, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de s'en débarrasser. Après Metal Cooler, il doit pas tant que ça, ouais, 106K. Mais par contre, dans la Metal Cooler, faut que je le max parce que franchement. Je sens que ça va être aussi un délire ça. Hein. Metal Cooler agit, il faut que je le max. Hein. Il faut que je le max. Bon, théoriquement, on devrait s'en sortir, même si on mange une spé un petit peu moche, mais ça devrait aller globalement. Donc on va y aller. Mais en tout cas, ouais, c'est. Hey, Golden qui arrive quand même à prendre des dégâts. Hein. Malgré tout, ouais. Après, des avantages classés et tout, mais ouais, on prend quand même un peu de dégâts. Hein. Enfin bref, c'est ouais, c'est impressionnant. Bon, non, Krilin il va crever sur l'attaque de Metal Cooler, mais s'il se fait sur Golden, par contre, ça pique. Hein. Ça pique. Et, je suis même pas sûr qu'il crève, honnêtement, entre nous. Ouais, je suis même pas sûr en soi. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, alors là, c'est un peu cheat, mais cette rotation existe. Parce que la team est prévue comme ça, donc... C'est quand même intéressant de checker les valeurs. Et donc là, par contre, évidemment, les amis, on s'envole. 200K, 187K, 180K, ça c'est l'ami leader qui est pas tout à fait à fond. Enfin, qui est pas à 100% de façon. Voilà, 200K couleur puissance. Voilà. Bon, évidemment, c'est une rotation qui n'est pas là tout le temps. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais bon, ça reste quand même assez incroyable. Vous en conviendrez, c'est vraiment un délire. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors, on va essayer de. Bon, Gohan, faut pas qu'on le tue. Par contre, Kamessin, faudrait qu'on le sèche. Il y a Tenshin Han aussi qui attaque à la fin. Après, couleur endurance peut sûrement se tuer un personnage, vu qu'il a l'avantage type. Bon, on va essayer de sécher Tenshin Han avec couleur. Enfin, avec les deux couleurs puissance. Et couleur endurance, j'espère qu'il va sécher Kamessin. Ça serait appréciable. Mais je pense qu'il y a moyen quand même.
Il y a grandement moyen. Bon, je vais vous laisser apprécier les valeurs d'attaque qui vont être juste époustouflantes. Forcément, l'aspect de Gohan qui va... Vous voyez quand même, même avec 200 KD, vous avez vu les dégâts que je prends? Encore une fois. Hein. 4 millions! 4 millions en valeur d'attaque, première forme. C'est un délire. 3 millions couleurs, endurance, même pas ZTUR. Non, mais c'est... c'est indécent, hein. Ouais, c'est un délire, hein. C'est un délire. On affronterait de l'extrême, on serait invincible. Là, c'est vu qu'il y a du super quand même, attention, les specs épiques, mais... Que dire de plus, les gars? Couleur, il s'est fait deux personnages. Oh là 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 là, c'est crade. Un tour, c'est fini, limite, enfin deux tours. Oh là là, mais c'est incroyable, hein. Non, mais c'est... Il reste que Piccolo. Mais c'est tellement indécent, c'est un truc de ouf, hein. Oh là 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 là, mais... Ouais, là, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, les gars, il suffit d'apprécier le spectacle, hein. Je rappelle qu'il y a aussi une vidéo en Goku Rush. Mais là, déjà, ça vous donne un bon aperçu de ce que je... Bah, de ce que je voulais vous montrer, la puissance du truc, quoi. Ah oui, Golden, par contre, là, il a pris le tarif, hein, vu qu'il avait pas la réduction totale. L'aspirant de crever, on la connaît bien. On la connaît que trop bien, l'aspirant de mourir. Bon, c'est pas très grave. Ouais, Piccolo qui veut pas crever, hein. Bah, il va crever. Enfin voilà, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, c'est bon là le 13 ZLR, c'est bon, on a compris, hein. Je sais que tu me kiffes, mais quand même. C'est bon. Troisième combat, les amis. Mais oui, mais t'as le couleur agile, ça m'arrange pas trop par contre. Hein. Bon, je vais cut, à tout de suite. Hein. Voilà, ça c'est terminé, nickel. Alors par contre, bon, je vais devoir me soigner, on a pris des SP mal placés. Et puis de toute façon, bon, c'est pas fou la niveau avantage type. Bon, je vous laisse apprécier encore une fois les valeurs. Hein. De toute façon, c'est vraiment voilà, c'est vraiment excellentissime. Encore une fois, on a foutré de l'extrême, on prendrait 0 dégâts en SP, on prendrait un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Mais là, quand on tape face à du super, c'est quand même assez compliqué. On prend un peu cher. On va se mettre un petit C8. Un petit C8. Voilà, c'est pas mal un petit C8. Voilà, bon, on a des valeurs de def encore plus craquées. Bon, là, il y a des attaques un peu partout de toute façon. Donc, bon, bah, on va y aller comme ça. Hein. On va débuff qui? On va débuff Vegeta peut-être, qui attaque quand même beaucoup de fois. On va débuff Vegeta. Et ouais, je vais attaquer Goku avec Metal Cooler. Et l'idée, c'est quand même de revenir à cette rotation, quand même. Ça serait appréciable. Bon, même si, en gros, on a fait le tour des valeurs hein, pour du Battle Road. Parce que les combats sont pas très longs, comme vous le savez bien. Mais par contre, en gros courage, ça risque d'être très, 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 très drôle. Et on verra ça plus tard. Et couleur qui pète un cap toujours. Hein, c'est un truc de ouf. Hein. Donc, du coup, voilà, couleur endurance, hein, les amis. Également, vous voyez qu'il monte à 150 KDF ici, enfin avec deux personnages, parce que tout à l'heure je vous ai montré qu'un seul personnage, et là quand il y en a deux, 150 même plus en def, c'est énorme, enfin c'est très bien, enfin c'est énorme, c'est très bien. Et voilà, et le perso a en plus tendance à faire plusieurs spé dans le tour, hein, probablement, au moins de l'auto-attaque en prime, enfin c'est un délire, hein. C'est un délire. Donc voilà, imaginez juste ce truc-là quand couleur va être ZTUR, enfin ça va être vraiment, mais n'importe quoi. J'ai hâte. Bon, on va terminer le combat tranquillement. Wally Walou. Hop. De quel mode au prochain tour? Pourquoi pas, on s'en fout. On va faire Goku avec la prochaine rotation. En tout cas, c'est vraiment... c'est vraiment impressionnant. Franchement, c'est une dinguerie. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte pour le ZTR de couleur endurance. Ça va être assez fou. Hein. Franchement, manquerait plus que couleur endurance et une partie support aussi. Ça serait n'importe quoi. Genre terrifiant conquérant, tu vois. Alors là, c'est bon quoi. Comme ça, on garde une partie support même une fois transformée quand on a plus la partie support du puissance. Ça serait légendaire. Mais bon. Bon, là, on va prendre un peu de dégâts quand même. Hein. Ah ouais, bah, encore une fois, hein, comme j'ai déjà dit. Hein. Je me répète, hein, mais. Attention qu'au fait du Battle Road, si vous affrontez la classe opposée, dites-vous bien que les dégâts, c'est pas les mêmes que quand vous affrontez la même classe. Hein.
Bon là, c'est on a le petit bonus de l'autre hein, qui rattrape le gap. Donc 156k, c'est comme si on avait le bonus total vu qu'on a 20% ici. Mais bon, on va transformer couleur puissance pour la passion. Eh oui. Eh oui, toujours. Donc voilà, couleur puissance en Battle Road. Voilà, avec couleur endurance, c'est broken. C'est vraiment très très fort. Alors encore une fois, on n'est pas invincible, mais on prend pas tant de dégâts que ça. Et par contre, offensivement, c'est juste n'importe quoi. On débuff en plus. Voilà, et encore une fois, bon, je me répète un milliard de fois, mais couleur n'est pas encore ZTUR. Donc quand il va le devenir, ça promet. Ça promet d'être très 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 drôle. Allez, le Dokkan Mode. Le Dokkan Mode, les amis. 4 millions, hein, 4 millions 80 pour couleur, première spé. Ah, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal, c'est une formalité. C'est pas mal. Bon, crit garanti, hein, n'est-ce pas, hein, vous le savez bien. Le critique à 5 millions 6. Que dire? C'est terminé, donc on aura mis un petit item, parce qu'on a... Ouais, on a mangé des spés un petit peu mal placés au deuxième combat, mais autrement, on aurait pu sans item, voilà, mais bon, peu importe. En tout cas, le duo est légendaire, voilà, c'est impressionnant. Quand couleur sera ZTUR, ça va être... Ça dépend qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais dans tous les cas, ça pourra que être mieux, dans tous les cas. Donc ça promet, hein, ça promet d'être vraiment impressionnant. Et c'est déjà impressionnant en Battle Road. Prochainement, le test en Coucou Rush, et ce qui va être très impressionnant, ça va être les dégâts de couleur puissance, évidemment, vous en doutez, avec son stack infini. Voilà, restez connectés les amis, ça arrive très prochainement sur la chaîne. Je compte toujours pour le petit pouce bleu tout le temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passez tous une bonne journée, des bisous, à très bientôt. Salut.